Eh bien du coup, messieurs, dames, je pense qu'il est l'heure de retourner ce garage. Ça va le faire. Il va y avoir 50 000 possibilités en fait, quand je regarde. Bon, soit, on va commencer de l'entrée. Donc la porte. J'ai quand même eu un doute, je me suis dit, ça se trouve, il y a un truc gravé dessus. Pas du tout. Alors, cherchons. Une photo. Je l'avais déjà vue, ça. I could try the license number for the password. Ah, ouais. Du coup, ici, ça sert. Ok. Alors, j'espère que ça va s'ajouter. Ouais, c'est bon. Comme le cadenas, en fait. Ok, parfait. Alors. Maybe this ID number might work. D'accord. Ouais, mais il va y avoir 50 000 possibilités. Mon Dieu, ça va être sympa. Ah, il y a un autre cadenas. There's no way Chloé can put that gun back now. Ah oui, effectivement. Ah, ce flingue. Ça me plaît tellement pas. Comment elle le laisse traîner en plus. Ça fait quoi? Ça allume dedans? Est-ce que ça change? Bon, on voit rien de plus en fait. Bon, on va éviter de laisser allumer, hein. Quand je dis retourner le garage, je vais quand même essayer de ne laisser aucune trace. Mais bon. Qu'est-ce que... Bon, par là, ça a l'air d'être bon. Celui-là, on l'a déjà fait. Pourquoi il remet d'ailleurs chercher? Ah, il veut les revoir. Celui-là, oui, je l'avais déjà vu. Dans ce placard, on a regardé déjà. Est-ce que il y avait un numéro quelque part? Ça a l'air d'être des chiffres. Je trouve que des chiffres quasiment. Bien, donc non. Ordinateur. Bon, on va éviter d'y retourner tant que je vais pas tout récupérer, je pense. On va faire le tour. Nothing to see here. Ok. Chercher. Oh, c'est mignon. Maybe I could try stepdad for the password. Ah bah, suffisait que je dise il y a que des chiffres et on n'a plus des chiffres maintenant. Beau-père, elle va l'ajouter, je pense. Non? Si, voilà. D'accord. Ouais. Ça va être costaud, mine de rien. Là, j'avais tout regardé ici. Ah, il y a un livre. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Ouais. C'est marrant, hein. Ça confirme ce que je disais. Hein. Je pense que ça l'a beaucoup marqué tout ça, et c'est peut-être pour ça qu'on se méfie vachement de lui. Il est peut-être juste maladroit, mais bon. Je vais finir de fouiller à cet ordinateur et j'aurai peut-être ma réponse à tout ça. Le trophée, ouais. David has been dragging his head around since 2001. Charmant. D'accord. On prend la date, ouais, je suppose. Ah, petite chose ici. Obviously, David's parents care about him. That date might be a good password. D'accord, ouais, elle ajoute tout. Ça va, c'est plutôt pratique quand même. Plaque, qu'est-ce que c'est? Cute. Et je sais pas comment on Can't va trouver au picture milieu de tout David ça. Hein. driving Joyce around with this on the car. Ça apporte rien, apparemment. J'ai pas vu la petite bulle. Par là, il n'y a rien. Ici, on va éviter de sortir. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? That's cute. Could be a password here. D'accord. Donc ça s'est ajouté. Ah, truc là. Je peux pas? Ah si. Even David Madsen might be an angel to somebody else. D'accord. Spécial.
Mais oui, enfin bon, en même temps, hein. Elle fait la guerre, donc qu'est-ce que c'est? Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Par soleil. Ah, on peut. Ok. Joyce might as well have wrote Let's get married. Qu'est-ce que c'est? C'était un honneur de vous recevoir au diner. Ça fait plaisir de savoir qu'il existe toujours des gentlemen. J'espère pouvoir vous reparler bientôt. D'accord. En fait, je m'appelle Joyce. Ok. Ah, c'est mignon. Il a gardé le premier. Il est quand même super mignon. Hein. C'est chaud. Hein. Si c'est lui le vilain, c'est pas cool. Hein. Ah. Et c'est quoi ça en fait? C'était avec. D'accord, c'est le ticket. Ok. Ouais, ils sont tellement mignons, c'est chiant. Hein. Vite, que je sache ce qu'il y a dans cet ordi là. Histoire que. Je me fasse pas des films. Donc là, il n'y a rien. Là, on peut. Non, là, on peut pas y aller. Tout le coin là-bas, on peut pas y accéder, mais il y a des cartons, on dirait. C'est un peu triste. Je peux pas. Il y avait des boîtes et tout, mais bon. Il doit rien y avoir à récup. J'ai l'impression d'avoir fait le tour là pour le coup. Bon, ça va, il n'y en a peut-être pas autant que ce que je croyais. Bien! Alors, c'est parti. Ah oui, oui, c'est par thème, c'est vrai. Perso, famille, armée. Waouh, c'est chaud. Déjà, trouver plus une direction dans laquelle il aurait pu aller pour choisir son mot de passe. J'aurais tendance à mettre l'armée, même s'il a l'air de beaucoup aimer sa famille. Si famille, c'est Joyce, hein, bien sûr. Mais je dis pas qu'il aime pas Chloé, mais pour l'instant, la relation est pas hyper cool. Continue de voler... Ouais, dans l'armée, ce que je vois de plus logique, ce serait un chiffre, pour le coup. Ouais. Là, c'est vraiment... Bon, c'est pas ça. Je vais regarder ce qu'il y a dans chaque truc. Perso. Ça, c'était le cadenas, c'est la carte. Et ça, c'est le trophée. Ouais, non, je vois pas... Je vois pas trop ça. Famille, tiens, on va regarder du coup ce qu'il propose. Beau-père, je pense... pas. Vu comme je l'ai dit, la relation qu'ils ont, ça m'étonnerait qu'il l'ait mis en mot de passe, même s'il l'aime, vu que c'est tendu, je le sens pas trop. Du coup, les deux autres dates, c'est quoi? C'est en rapport... Si c'est en rapport avec Joyce, ça peut être une de ces deux-là. C'est soit une de ces deux-là, soit une de l'armée, je pense, moi. On va tester... c'était laquelle Score. Oh, ce bol. Wow, spoiler. Très bien. Enfin, ce bol, vite fait, il y a de la déduction à moitié quand même. But why does David care? D'accord, donc il a des informations sur Rachel. A séché les cours toute la semaine. Question. Se retrouve. Franck et Rachel. Franck et Rachel. Ah, mais oui. Il avait le bracelet. Hein. Donc Franck et Rachel se connaissaient, même plutôt bien. Se retrouvent encore, d'accord. Substance, d'accord. Ouais, je lis. Vous avez eu le temps de lire, je pense, entre temps. Au pire, vous ferez une pause, d'accord. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Il surveille aussi Kate, mais bon, ça, pour le coup, on s'en doutait. Prend toujours le même chemin. Ouah, c'est bizarre, ça. C'est quoi ces observations coupables? Ouais. Pourquoi j'ai regardé cet ordinateur? J'étais presque partie sur David. C'est juste un mec qui est revenu un peu perturbé de la guerre, mais là, il a des choses chelous. So hein. Oh, creepy. What? C'est moi, ça? Attendez. Profil de Max. Ouah, wow, ça fait flipper. Il est peut-être pas... Non, mais ça fait beaucoup, quand même, là. Après, oui, il est peut-être vraiment très, très dérangé par son retour de la guerre.
Mais c'est pas hyper rassurant de tomber là-dessus. En soi, j'aurais jamais dû y aller, hein. Mais... What? J'ai fini, là? J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Ok. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make ouais, voilà, c'est pas rassurant, hein, puisqu'elle en dit aussi. On est d'accord. Juste, peut-être, est-ce que... Shift. Si je fais ça, il n'y aura eu aucun essai, comme si j'avais jamais été dessus. Non? C'est peut-être plus logique de faire ça. C'est quoi le prochain événement? Ah bah c'est ça. Faut faire comme si j'avais jamais touché à l'ordi. Voilà. Je n'ai jamais touché à cet ordinateur, je ne suis jamais venue. Voilà, cordialement, je me casse. J'espère que j'ai bien tout regardé, qu'il y avait vraiment que l'ordi. Vu que la première fois, ouais, comme je le disais, j'ai écourté. J'avais vraiment peur de me faire choper. Bon. Par où c'est mieux de sortir pour pas se faire repérer? Parce que je suis rentrée en loose day. Peut-être par là-bas. Hein. Éviter de mettre Chloé dans le caca, hein. Hop. Tac. Pom pom. Joyce qui est là. Chloé qui est là. Bon. Il faut qu'on cause, mademoiselle. Il y a des trucs bizarres quand même. Ah, parfait. Alors, toi, t'es pas du tout prévu en fait. David, you're back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. Huh? What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. Je vois pas du tout qui ça peut être, désolé. This is what happens to these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was Blackwell students? Non, ça devait pas être des élèves de Blackwell, je pense. I'm gonna bust them. Bien. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras. So he can spy on everybody. Un peu. Like he spies on all of us here. Oh là là. Balance Don't tout, elle. Start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Wow. Ah, d'accord. Alors, prendre parti pour David, prendre parti pour Chloé. Je trouve que bon, j'ai très envie de prendre parti pour Chloé parce que ce que je viens de voir dans le garage, voilà, c'est normal que je m'inquiète. Maintenant, je trouve qu'elle y va un peu fort, hein, parce que encore une fois, c'est toujours très flou ce qu'on trouve sur le monsieur. Ah, hein. Oh, je sais pas là. J'ai vraiment envie de prendre parti pour Chloé, mais ouais. J'ai beau l'adorer, elle fait un peu du caca là pour le coup. Elle y va vraiment. Vraiment costaud, ça reste l'homme que sa maman a choisi, ça me reste toujours à l'esprit. Bon, je prends parti pour Chloé, on va voir comment ça se passe, et je suis extrêmement curieuse de savoir comment ça se serait passé si je l'avais pris pour David, donc on va voir ce que ça donne pour Chloé, et je choisis ensuite. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. Aussi, mais bon. That's why the students and faculty don't like you. You even hit your stepdaughter. I do respect ouais, your service, plus, but ça. You don't respect Jeez. Anybody. Chloe was doing drugs. J'aimais bien That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Oh là là. Yes, David. Tant qu'on n'est pas sûr, ça elle aurait pas dû en parler dans Joyce quand même. I find this very disturbing. I do On sait pas ce qu'il en fait. Hein. Take this kind of interrogation. Il se prend peut-être réellement pour un détective. You punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course, women always stick together.
J'avoue que là, ça fait un peu... David, les folles en furie. You better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm outflanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. Wow, okay. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. C'est chaud là quand même. J'espère que j'ai pas cassé le... cassé carrément leur couple. Ouais. Alors là, franchement... je sais pas là, je vais voir. Oui, bah ok, je comprends. En même temps, hein, tu es suspect, désolé. Tu fais des choses bizarres. Hein. Voilà. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand? Ouais, j'aime moyen cette réponse. Hein. Ça sent pas top top bon pour leur couple. Qu'est-ce qu'elle me dit, Chloé? Ouais. Je suis pas fan. Hein. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. malheureusement, ma très chère Chloé. Je suis pas sûre là, j'aime pas trop en fait la tournure que ça prend avec Joyce. Après, il le mérite peut-être ou il le mérite pas justement, donc je ne sais pas. Mon dieu, t'as pas intérêt à remonter le temps qu'elle me dit, hein. Histoire de bien me torturer. Je remonte le temps et je choisis en fonction. Désolée, je me remets là. Désolée Chloé, mais faut que je voie. Voilà, cordialement, hein. Alors, go. On va choisir David et on va voir. Ouah, wow, faut remonter perpète. Au début, en fait. Ok. Hop. Bah tiens, j'avais voulu parler à Chloé et ça avait déclenché. Est-ce que si je peux parler à Joyce? Pas du tout. Ouais, elle s'est embrouillée avec Chloé, en fait. Quand je suis partie tout à l'heure. Mais bon, c'était le but de la diversion, donc ça passe. Alors. Ouais, donc, il est de retour. Je passe tout ça, hein, on l'a déjà vu. Bon. Alors, voyons voir ce que ça donne. Listen. We don't know that David did anything, and nobody has any proof against him. As far as we know, it's Nathan Prescott who's ça, the real threat faux non so plus, far. Hein, pour le coup. I would cut David slack here. Oh, would you? How generous, King Max. So suddenly it doesn't matter how shady David has been acting, or that he keeps ça all those plus, weird files on your classmates, Yeah, or how you're always going off on how creepy David Enough. Is. I don't want anybody being accused of anything. There's been too much of that crap going on around here lately, and I don't want it in my home today. Well, I agree with that. Now, if you all don't mind, I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming, Max? Ouais, mais là non, en fait. Maybe I went too easy on David for Joyce's sake. Oui, c'est même pas trop gentil en fait. Elle écarte tout, ses limites. Si je tourne pas le dos à Chloé alors que je cherche avec elle pourtant et que ça me paraît bizarre aussi, là c'est comme si je reniais tout quoi. Alors qu'il a quand même fait des trucs graves, je sais pas. Bon, il l'a pas tabassé, mais il a giflé parti. Leur relation est pas top, les dossiers. Je peux pas faire comme s'il y avait rien du tout comme là. En même temps, si ça fout leur couple en l'air, ça me fout les boules, mais bon. C'est qu'ils le méritaient à ce moment-là. Si, je ne sais pas. C'est abusé. Là, c'est super dur comme choix. Bon, je vais regarder ce qu'elle me dit. Thanks for letting me down again, Max. Why can't you just rewind so I don't have to see you defending that asshole? Bon, elle est un peu brute parfois, mais pour le coup, je vais la suivre. Je vais effectivement remonter le temps. On peut pas faire comme s'il n'y avait rien du tout. Il est quand même bizarre. Tant pis, si jamais il s'avère qu'on le soupçonne pour rien.
il sera toujours temps de prévenir Joyce qu'on s'est trompé et j'espère qu'on n'aura pas foutu la merde. Ou alors j'espère que c'est lui et du coup bah voilà. Allez Chloé, je prends ton parti. Ah ouais, non, je peux pas. On dit tellement rien si on prend son parti que c'est pas possible. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. Et voilà. Vu l'ampleur de ce que peuvent être les faits, si réellement il suit les gens et si c'est lui, on peut pas laisser ça comme ça. Allez, YOLO. C'est hyper chaud, hein. Je suis pas super rassurée de ce choix, mais c'est le but du jeu, hein. Faut en faire un. Au bout d'un moment, faut choisir. Allez, hop. Ok. Ok. Bien, prenons parti pour Chloé. Allez, on va passer. Parce que tout ça, on l'a vu. Voilà. Et ça aura des conséquences en plus, hein. Petit papillon. Donc je lui avais parlé, elle ne peut plus me parler. Ne pas me torturer, c'est qu'il l'a mérité. En gros, elle m'a dit, il récolte ce qu'il sème, je crois. Chloé va être contente. Bien. Ah, ce passage est... Ouais, bon. On verra bien. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Non, je remonterai plus, mais en vrai, si tu le sais pas, mais j'ai déjà remonté. Bref. On fait quoi? On remonte dormir? Non, je peux pas. Sniff. Bien. J'en sais rien, en fait. Quitter la maison, c'est bon, non? Je pense qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank. Being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's Oula. That gonna prove? Frank has Rachel's Frank, bracelet. Il avait pas l'air super cool, what else does he have in there? Motherfucker better not have anything, for his sake. Après, c'est vrai que bon, ça reste une piste pour Rachel, avec ce que j'ai vu dans l'ordi et le bracelet. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. Oulala. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Ninja. Shitballs. Ah, d'accord, okay, il y a le chien, super. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you... Calme-toi. And... Ouais, calme-toi, là. Chloe, qu'est-ce qu'il me raconte? I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Ouais, ça peut être une solution. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. Donc on l'a vu, si je dis pas de bêtises, dans la ciné. Il est à l'intérieur. Mais le chien. Mais le chien. Comment on fait avec le chien? Elle cherche à manger, j'ai vu, mais... Careful, Max. Cujo ahead. Ça fait quoi si je joue? Locked. Tiens. Donc il faut les clés. Ah, message de papa. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Maxine, c'est ton papa. Désolée de ne pas t'avoir contacté plus tôt. Ta mère est très fière de ce que tu as fait pour sauver cette jeune fille. Et moi aussi, je suis certain que t'envoyer à Blackwell a été la meilleure chose que tu aies exigé de nous. À chaque fois qu'on entend parler de toi dans le journal ou qu'on te voit en vidéo, escorter cette fille en sécurité, ça nous rend tellement fiers. Si tu as envie de rentrer à la maison, te mettre au vert et t'inscrire dans un autre lycée, la porte est grande ouverte. Bisous, papa. Merci, papa, c'est la folie ici, mais je ne suis pas encore prête à rentrer. D'accord. Ok, tiens, d'ailleurs je vois qu'il y a plein de trucs nouveaux. Ouais, on a 3 pages du journal. Alors voilà, ça, on s'était arrêté là. Je vous l'ai fait défiler comme d'habitude. Voilà. Hop. La petite pause, hein, je la rappelle à chaque fois. Ça fait 49. Et les photos... Oh, il en manque encore. Oh, punaise. Regarde pas, c'est de la triche, mais il en manque. J'en ai encore raté. Hein. Soit. Allez, hop, retour. Alors.
Donc elle cherche la bouffe. Moi, je me promenais, en fait. Voiture de police. Y a rien, nulle part. Mais c'est nul. C'est nul. Oh, mais pourquoi ils sont tous morts, les oiseaux, là? What is going on here? Ouais, on est d'accord, là. Qu'est-ce qui se passe? Pauvre petite bête. Puis tous, je vois que j'en vois un, voilà. Il est mort aussi, je suppose. Ouais. C'est la fin du monde, hein, je crois. Ah oui, mais il y en a vraiment partout, en fait. D'accord. Tornadoes, snowfall, eclipses, now dying animals? Ouais, on est d'accord, hein. Je crois que c'est la fin. Shit. Parfait. C'est sympa. This is so creepy. Très bien. Ouais, y a que ça. Ah, lui, c'est le pêcheur avec qui j'avais parlé la dernière fois. Ça, c'est ses prospectus, donc on les avait déjà lus. Bonjour, monsieur le pêcheur. Est-ce que vous avez des nouvelles choses à me raconter? Good morning. How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next? The tornado? Haha. C'est pas du tout ce que j'ai vu dans la ciné de début du jeu, en plus. C'est pas drôle, monsieur. J'espère que non, changement climatique. Si j'espère que non, je vais couper court à la converse, ça peut être drôle de savoir. You don't think it could be like climate change or something? Climate sure has changed around here. Just saw that Prescott brat having a fit by himself in the parking lot. Isn't he always having a fit? He ain't the only one. If you knew what was going on with the fish around Arcadia Bay. Sorry, I'm too pissed to talk about it. See you around, kid. J'ai appris quelque chose. Qu'est-ce que j'ai appris? Qui va débloquer quoi? How are the fish? Don't ask. Poisson. Allons-y. Parlons des poissons. I heard that something bad was happening to the fish in Arcadia Bay. Well, since you mentioned it first, there ain't no fish in Arcadia Bay. What? Ah, d'accord. Come Très on. Bien. None? None worth catching and eating anymore. I'm not shitting you. Salmon, trout, bass have died and migrated. Even the damn clams are dying. Oh my god. But what ouais, about... c'est de plus en plus rassurant, sorry, c'est parfait. Too salty to talk about it. See you around, kid. Très bien. Du coup, j'ai appris tout ce que je pouvais du monsieur, le pêcheur. Qu'est-ce qu'elle fait, Chloé? Elle en est où? Sinon, moi, je vais aller voir à l'intérieur, si je peux pas récupérer les clés en attendant, parce que là... moi, je peux pas chercher où elle cherche. Si? Je peux chercher dans la poubelle à côté, peut-être? Non. Ouais, donc faut que j'attende qu'elle trouve un truc. Ah, gross. I hope she finds a nice T-bone to keep the doggy busy. C'est tout. More nasty shit. Bon. Ouais, non, je vois que ça. À moins que je puisse fouiller quelque part pour l'aider, mais sinon, je pense qu'il vaut mieux que j'aille chercher les clés dans ces cas-là. Ouais, il y avait plein de poubelles ici, mais je pouvais pas y toucher. Tac. Est-ce qu'il y a toujours la... la madame sans-abri qui était là-bas? Tiens, à tout hasard. Ah, un camionneur, encore mieux. Bonjour, salut. Hey, ah, il était pas aimable, je crois. Peachy, interview over. Ouais, vas-y, raconte ta life. Having a bad day at the office? Work is dried up around here, and I have bills to pay. Time is money to a guy like me. That sucks. Wish I could drive right out of Arcadia Bay. Whole town is crumbling. Snow, eclipse, and a oui, avec le temps maintenant, ok. Suicide. Après, avant, ça a l'air tout mignon, Arcadia Bay, je vois pourquoi. What if I could? Hell, even that shifty Rachel What's-Her-Face asked me once if I drive her to Los Angeles. You knew Rachel Amber? Can d'accord. you tell me about her? Nope. Christ, why don't you get a real job instead of homework? I'd love to see you Blackwell turds try to drive my 1977 Needham 18-wheeler out there. Like I said, interview over. Ok, donc j'ai encore appris un truc qui peut servir. Allons-y, faisons comme ça, je veux savoir. Ils ont tous plein de petites choses à raconter, c'est plutôt intéressant.
Allons-y. Hey, how's it going? On va lui parler de quoi, son camion ou je sais pas quoi. Voilà. Actually, I wanted to ask if that's your bitch in 1977 Needham 18 wheeler. Est-ce que tu vas être plus intéressant cette fois? How the hell did you know that? Rachel. Ok. Allez, go. Pour Rachel, Amber, les cours à Blackwell, on s'en cogne un peu, on sait très bien ce qu'il en pense, il l'a dit juste avant, mais Rachel, il va peut-être nous raconter un petit peu plus, vu qu'elle a l'air de lui avoir demandé quelque chose une fois. My friend Rachel Amber told me about this cool rig in town, because I love taking pictures of truckers. You knew Rachel. She sure didn't give a rat's ass about truckers, or real work. Oh, so you must have known her too? Only from the diner. She was just a gold digger. Très she bien. Belonged in California Moi, with clair. All those, you know, who know what's. Good riddance. But you can take pictures of my truck anytime. Take care. C'est tout? That would be cool to be a trucker for a while. Always on Très the bien. Road. Max, Max en mode Retruck Simulator, c'est ça? Aïe! Et comme il a parlé de photos, je me demandais nope, justement I don't want to go there. Si je pouvais. Est-ce que ça compte? C'est une des photos à faire? Sûrement que oui. Ouais, nice. Ok. Est-ce que il aurait quelque chose de plus à raconter ou pas? Let's talk about my photo shoot later. 10-4. Très bien. Bon, mais je crois que. Allons voir du coup le journal. J'avais déjà regardé, mais ah c'était. Oh God, that is so embarrassing. Oui. I'm gonna get trolled hard. Ok. Et est-ce que la sans-abri. Ah oui, la sans-abri est encore là. Est-ce qu'elle me dit quelque chose de nouveau? Tiens, voyons voir.